بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث اليوم إن شاء الله يكون عن حق الزوجة على الزوج. Donc aujourd'hui le sujet portera sur les droits de la femme sur son épouse, sur son époux. Ou autrement dit, les obligations du mari envers sa femme. وقبل أن نتكلم عن حق الزوجة على الزوج لا بد أن نتكلم عن أمرين اثنين. الأمر الأول، المرأة في الجاهلية أي قبل الإسلام، والأمر الثاني، المرأة في الإسلام، ليتبين للجميع أن الإسلام وحده هو الذي أعطى للمرأة حقها، طفلة عند أبيها، وزوجة عند زوجها، وأما عند أبنائها، ليهلك من هلك على بينه، ويحيى من حي على بينه. Et avant d'aborder et de détailler les droits de la femme en islam, les droits de l'épouse en islam, il est nécessaire de rappeler deux points extrêmement importants. Le premier, c'est la condition, la situation de la femme avant l'islam, pendant la période qu'on appelle al-jahiliya. Et deuxièmement, la situation de la femme en islam. Pour que chacun d'entre nous se rende compte que c'est seulement l'islam qui a donné à la femme ses droits. En tant que fille, en tant qu'épouse et en tant que mère. فالمرأة في الجاهلية كانت بمثابة العار، كانوا لا يحبونها، والله عز وجل يخبرنا في كتابه عن حال الرجل في الجاهلية إذا بشر بالأنثى. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Pour ce qu'il y est de la situation ou la condition de la femme avant la venue d'Islam, que ce soit à l'époque dans la péninsule arabique ou que ce soit dans toutes les autres sociétés. Et ce qu'on va dire maintenant, c'est en particulier chez les Arabes. La femme était considérée comme un signe de déshonneur. Elle était synonyme de déshonneur, de honte. Et la société de la Jahiliya n'aimait pas la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran al-Karim de la situation de l'homme lorsque sa famille lui annonce la venue d'une fille. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: et lorsqu'on l'annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache derrière des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il garder cette fille malgré la honte ou doit-il l'enfouir dans la terre? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: combien est mauvais leur jugement.
في الجاهلية كان الرجل إذا جاءته الأنثى أمسكها على مضض وألم حتى إذا بلغت السادسة من عمرها زينها وأخذها وطيبها وأخذها من يدها إلى الصحراء، فإذا وجد بئرا من الآبار قال لابنته انظري في هذا البئر، فإذا نظرت فيه دفعها من الخلف وأهال عليها التراب والأحجار ورجع سعيدا مسرورا لأنه تخلص من العار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Pendant l'époque de la Jahiliya, lorsque l'homme avait une fille, Allah lui avait donné une fille, il gardait cette fille avec tristesse et avec peine, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 6 ans. Et lorsqu'elle avait 6 ans, sa mère embellissait cette fille et la parfumait, en lui faisant croire qu'elle allait voir sa famille. Et son père la prenait dans le Sahara, et arrivé à un puits, il disait à sa fille, regarde ce qu'il y a dans le puits. Sa fille regardait, et il la poussait dans le puits, et il jetait sur elle la terre, le sable et les pierres. Et il retournait dans son peuple, fier, heureux et content, parce qu'il s'est débarrassé de la fille, parce qu'il s'est débarrassé de la honte. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. وكانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وجاءها المخاض ذهبت إلى الصحراء وجلست بجوار البير، فإذا جاءت بغلام حملته ورجعت به إلى أهلها، وإن جاءت بالأنثى ألقتها في البير. وبهذا يتبين لنا أن المرأة في الجاهلية كانت بمثابة العار. Avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pendant la période de l'Jahiliya, c'est lorsque la femme était enceinte et qu'elle ressentait les contractions de la grossesse, elle partait dans le Sahara, dans le désert, et elle recherchait un puits. Et si elle donnait naissance à un garçon, elle retournait fière et contente dans son peuple. Par contre, si elle donnait naissance à une fille, eh bien, elle prenait cette fille et la jetait dans le puits, vivante. Et de là, à travers le verset qu'on a cité, et les deux points qu'on vient de développer, il nous apparaît clairement la mauvaise situation de la femme ou de la fille avant la venue d'Islam. Et ce n'était pas seulement la situation des femmes dans l'Arabie, mais c'était la situation des femmes dans le monde entier. Et cette situation est restée comme ça pendant très longtemps. Et c'est l'islam qui est venu donner à la femme son droit. Même ses droits. Amma al-mar'atu fi bilad al-kufr. Fahum la yuhibbunaha tiflatan 'inda abiha. Wa idha balaghat sinna al-shabab. Fahiya sil'atun tijariyatun tuba'u wa tushtara. Rakhisatun la qimata laha. وإذا بلغت المرأة السن الشيخوخة عند الكفار فإنهم لا يطيقون وجودها فيأخذونها ليودعوها دار المسنين مقابل مبلغ من المال يدفعونه، وفي يوم واحد من السنة يزورونها، وهذا ما يسمى عندهم بعيد الأم. وقد قلد المسلمون الكفار في هذا وإن لله وإن إليه راجعون. Maintenant on va parler un petit peu de la femme dans la société non musulmane. Parce qu'on est dans une société, on aime bien donner des leçons et on aime bien يعني se révolter contre la situation soi-disant de la femme musulmane. Et bien dans cette société, la femme n'a aucune valeur. Lorsque la femme a atteint l'âge de la puberté, ça devient une femme, ça devient un objet sexuel, ça devient un objet, une marchandise
qu'on vend une femme qui n'a aucune valeur. Et lorsque la femme, cette même femme, atteint l'âge de la vieillesse, il ne supporte plus la présence de cette femme. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils la prennent et ils la déposent dans les maisons des personnes âgées. Et une fois par an, ils vont la visiter et ils ont donné à cette femme une fête qui s'appelle Eid al-Oum. Et malheureusement, les musulmans, dans les pays musulmans, et même les musulmans dans ces pays ici, je parle de nous, eh bien, on les imite dans ces pratiques. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. فهذه هي المرأة في الجاهلية قبل الإسلام وفي بلاد الكفر. وجاء الإسلام وجاء النور فأعطى للمرأة حقها طفلة عند أبيها وزوجة عند زوجها وأما عند أبنائها. فالإسلام هو الذي كرم المرأة وأعطاها حقها. Donc voilà la situation de la femme, la condition de la femme avant l'islam, pendant la période de la jahiliya. Et aujourd'hui, dans les pays de Kufr, et malheureusement même dans beaucoup de pays musulmans. Et l'islam, qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été enseigné par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, basé sur le livre d'Allah, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, il a donné à la femme des droits, à cette femme, en tant que fille, chez son père. En tant que femme, comme épouse, et en tant que mère, lorsque cette femme devient mère. Et c'est seulement l'islam qui a honoré la femme et qui lui a donné ses droits. Et cela apparaît clairement dans les 10 points qu'on va citer maintenant. Awalan, karrama l'islam al-mar'ata kama karrama al-rajul. Qala Allahu ta'ala, ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, sans distinction. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, nous avons honoré les fils d'Adam, hommes et femmes. Et nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à beaucoup d'autres de nos créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a élevé entre autres la femme. Thaniyan, harram al-islamu wadda al-banat, ay dafnu al-banat bil hayat. فقال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم عليكم وأد البنات الحديث رواه البخاري ومسلم. Deuxième point qui montre que l'islam a donné une importance à la femme, c'est que l'islam est venu interdire une pratique qui existait à l'époque, c'est le fait d'enterrer les filles vivantes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et lorsqu'on interrogera la fillette enterrée vivante, pour quel péché a-t-elle été tuée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim, Allah a interdit d'enterrer les filles vivantes. ثالثا قدم الله هبة الإناث على هبة الذكور وأنزل سورة كاملة في كتابه باسم النساء قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité dans le Coran qu'il donnait des enfants, il a d'abord cité les filles avant les garçons.
Et Allah a descendu un vers, une sourate complète dans le Coran qui porte le nom de Sourate An-Nisa. La sourate des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, il donne à qui il veut et il fait don de filles. D'abord les filles. À qui il veut et il donne des garçons à qui il veut. Et il donne à la fois des garçons et des filles à qui il veut. Et il rend stérile qui il veut. Il est certes savant et omnipotent. Subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, a'ta l'islam lil mar'ati haqqaha min al-ajr wa al-thawab kama a'tahu lil rajul. قال الله تعالى من عمل عملا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la femme son droit à la récompense comme il l'a donné à l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ahzab dit, et il cite à chaque fois les hommes et les femmes, il dit les musulmans, les musulmanes, les croyants, les croyantes, ceux qui obéissent, celles qui obéissent. Les véridiques et celles qui sont véridiques. Ceux qui sont endurants et celles qui sont endurantes. Ceux qui sont craignants et celles qui sont craignantes. Les donneurs d'aumônes et celles qui donnent l'aumône. Ceux qui font le jeûne et celles qui font le jeûne. Ceux qui préservent leur chasteté et celles qui préservent leur chasteté. Et ceux qui invoquent Allah et celles qui invoquent Allah énormément. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. خَامِسًا جَعَلَ الْإِسْلَامُ الْإِحْسَانَ إِلَى الْمَرْأَةِ سِتْرًا مِنَ النَّارِ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سِتْرًا مِنَ النَّارِ Al-Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. De même que l'islam a ordonné la bonté, la bienfaisance envers les femmes. Et il a dit que la femme et les filles sont un bouclier contre l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, celui qu'Allah a éprouvé par quelque chose de ses filles, et qui les a traités, qui les a bien traités, elles seront pour lui un bouclier contre l'enfer. L'imam Nawawi dit à propos de la parole, « Mani b'touliya »« Ya'ni innama sammahu b'tila'an li anna nasa yakrahounahunna fil'ada » Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, en parlant des filles, il a dit que c'était une épreuve, ibtila, parce qu'elles sont généralement considérées comme ça par les gens, et parce que dans la société du prophète, les gens, comme on l'a cité précédemment, détestaient les filles. Sadisan, ja'ala al-islam al-ihsan ila al-mar'ati sababan lidukhul al-jannah ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man 'ala jariyatayn hatta yudrika dakhaltu ana wa huwa al-jannata ka hatayn. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où l'islam a fait que la bonté envers la femme, c'est une porte et un moyen d'entrer au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, « Man aala, aal, yaqula l'imam al-Nawawi,
أي قام عليها بالمؤنة والتربية ونحوها. Celui qui entretient ces deux filles, qui les éduque, qui subvient à leurs besoins, qui s'occupe d'elles, jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté. J'entrerai, moi et lui, le prophète dit, j'entrerai moi et cet homme au paradis comme ces deux-là. Et il a rapproché l'index avec le majeur. حافظ الإسلام على المرأة فأمرها بالجلوس في بيتها ومنعها من التبرج ومن الاختلاط بالرجال والأجانب وهذا تكريم للمرأة. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن وقال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ومنعها من الاختلاط بالرجال الأجانب. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. Septièmement, l'islam a préservé la femme et il lui a ordonné de demeurer dans son domicile. Et il a empêché à la femme de laisser apparaître ses atouts, de s'embellir et de se dévêtir. On parle lorsqu'elle sort de chez elle, pas dans la maison pour son mari ou avec ses frères et ses sœurs et ses parents. Et l'islam a interdit aux hommes et aux femmes de se mélanger. Et ceci, c'est un honneur pour la femme. Et c'est un respect pour la femme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et restez, en s'adressant aux femmes, dit, et restez dans vos demeures. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la jahiliya. Et le prophète, Allah Azza wa Jalla, dit aussi dans le Coran, et ce verset est descendu sur les femmes du prophète et sur les compagnons du prophète, qui sont les meilleurs des hommes et des femmes après les prophètes. Il dit, et lorsque vous leur demandez un objet aux femmes du prophète, demandez-leur derrière un rideau. Et le prophète dit aussi dans le hadith, que l'homme ne reste pas seul avec la femme, car le shaitan sera le troisième. Thaminan. كرم الإسلام المرأة أما عند أبنائها فأمرهم ببرها فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. ثم من؟ قال أمك. فقال الرجل ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أبوك. الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. De même que l'islam a honoré la femme lorsque celle-ci est une mère, parce qu'il a ordonné alors aux enfants d'être bons et d'avoir de la bienfaisance, de marquer de la bienfaisance et de la bonté envers cette mère. Allah Azza wa Jal dit, Allah a décrété de n'adorer avec lui personne et de marquer de la bonté envers les parents. Et l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, quel est celui qui mérite le mieux que je lui tienne la bonne compagnie? Le prophète lui a dit, ta mère. Il a dit, qui d'autre Ya Rasulallah? Ta mère. Qui d'autre Ya Rasulallah? Ta mère. Qui d'autre, ya Rasulullah? Ton père. Hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Tasi'an. كرم الإسلام المرأة فجعل القوامة في يد الرجل. فقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى وللرجال عليهن درجة. وهذا تكريم للمرأة في بيتها لخدمة زوجها وتربية أبنائها. أما إذا اختلت الموازين كما هو الواقع في هذه الأيام
وجلس الرجل في البيت وخرجت المرأة تكونت الأسرة المنحلة وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. Un autre point qui montre que l'islam donne le respect à la femme et honore la femme, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la responsabilité, l'autorité sur l'homme. Allah azza wa jalla dit les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah leur a accordées aux hommes et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, et les hommes ont une prédominance sur les femmes. Et malheureusement aujourd'hui, l'équilibre il est perdu, les règles ont changé, et les rôles sont inversés. Tu vois l'homme, il reste chez lui, et la femme, elle sort dehors, et elle prend le rôle de l'homme. Et là, la conséquence de tout ça, c'est que la famille, elle est dissoute. Elle est décomposée et elle est éclatée. Malheureusement, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça, c'est ce que veulent les ennemis de l'islam. Ils veulent casser la famille, toute famille confondue, pour ensuite faire ce qu'ils veulent faire. فَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَبَدًا أَن تَأُمَّ الرِّجَالِ تَكْرِيمًا لَهَا ولا يجوز للمرأة أبدا أن تخطب الرجال أن تخطب الجمعة بالناس ولا يجوز للمرأة أبدا أن تكون قائدة للجيش في المعركة فما الذي يريده منا أعداء الإسلام فاستيقظوا يا أمة الإسلام واعلموا أن الذي كرم المرأة وأعطاها حقها هو الإسلام فيجب عليها أن تعتز بإسلامها في الشارع وفي بيتها. C'est pourquoi la femme n'a pas le droit de diriger les hommes dans la prière. Et ça, c'est une marque de respect pour la femme. De même que la femme n'a pas le droit de faire la khutbah du vendredi. De même que la femme ne peut pas être responsable dans avoir une responsabilité militaire. Et qu'est-ce que recherchent les ennemis de l'islam ? Il faut que les musulmans se réveillent. Et il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la femme des droits et l'islam a accordé des droits à la femme et il faut que la femme musulmane en soit fière et soit fière de sa religion aussi bien à l'intérieur de chez elle qu'à l'extérieur de chez elle. Amma haqqul, tout ça c'était sur la condition de la femme avant l'islam et la condition de la femme dans l'islam. أما حق المرأة عند زوجها فهو عظيم جدا يظهر ذلك من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء. Quant au droit de la femme sur son mari, ils sont énormes. Et celui qui écoute les recommandations du prophète صلى الله عليه وسلم s'en apercevra. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit استوصوا بالنساء خيرا والاستصاء هو قبول الوصية أي أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن هكذا يقول الإمام النووي فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا ففي بداية الوصية قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وفي نهايتها قال استوصوا بالنساء خيرا فاتق الله يا عبد الله فرسولك الكريم يوصيك بزوجتك. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim, il dit acceptez les bonnes recommandations en faveur des femmes et recommandez-vous ces recommandations entre vous car elles ont été créées à partir d'une côte. La femme a été créée à partir d'une côte
est la partie la plus tordue de la côte et sa partie supérieure. Et si tu cherches à la redresser, tu la brises. Et si tu la laisses comme elle est, elle ne cesse d'être tordue. Et le prophète s'en finit en disant, et accepter les bonnes recommandations en faveur des femmes. Regardons ce hadith, le prophète commence en ordonnant des recommandations en faveur des femmes, et il termine le hadith en leur donnant les recommandations envers les femmes. Et ça, ça doit attirer le regard de toute personne qui est mari. C'est un mari. Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans les droits de sa femme, et il doit respecter le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا الحديث حسن رواه الترمذي وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. Donc pendant le حجة الوداع, le pèlerinage de l'adieu, le prophète صلى الله عليه وسلم a donné une série de recommandations parmi lesquelles il a dit: vous avez un droit sur vos épouses et vos épouses ont un droit sur vous. فَلِلْزَوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا حُقُوقٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا نَذْكُرُ مِنْهَا سِتَّةٌ. Et maintenant, on va détailler les droits de la femme sur son mari. Et on va en citer six. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va se limiter sur ces six. أَوَلًا أَنْ يُعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوفِ استجابة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم الحديث حسن صحيح رواه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الحديث صحيح رواه الترمذي. Donc le premier droit de la femme, de l'épouse sur son mari, c'est que l'homme doit se comporter convenablement avec sa femme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et comportez-vous convenablement envers elle. Et si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous avez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset dit aussi, quant à elles, parlant des femmes, elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément au ma'ruf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, le croyant dont la foi est la plus complète, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs des croyants sont les meilleurs avec leurs épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur famille, avec leurs épouses. Et moi, je suis le meilleur envers mes épouses, envers mes femmes. وَالْخَيْرِيَّةُ لِلْمَرْأَةِ لَيْسَتْ بِالْأَثَاثِ وَالْمَنْزِلِ الْكَبِيرِ وَسَيَّارَةِ الْفَاخِرَةِ لَا إِنَّمَا تُؤَدِّي لَهَا حُقُوقَهَا فرسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس لنسائه ومع ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تنام مع رسول الله في غرفة ضيقة إذا سجد بالليل وهو يصلي غمز عائشة حتى يتمكن من السجود فإذا قام من سجوده مدت رجلاه وهذا دليل على ضيق الغرفة التي ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أحب الناس إليه ولكن الخيرية في المعاملة والإحسان لقوله صلى الله عليه وسلم وللنسائكم عليكم حقا.
Et le fait d'être meilleur avec nos épouses ne réside pas dans le fait d'avoir des meubles luxueux, ou bien d'avoir une maison spacieuse, ou bien d'avoir une voiture luxueuse. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Mais être bon avec sa femme, c'est pas ça en premier. Mais c'est dans le fait de lui donner son respect. C'est dans le fait de respecter ses droits. C'est dans le fait de se comporter convenablement avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'homme qui se comportait le mieux avec ses femmes, regardez comment il vivait. Aïcha dit dans un hadith que elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivaient dans une pièce étroite. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière, eh bien, au moment où il faisait le soujoud, il faisait signe. Et Aïcha radiallahu anha levait ses pieds pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse faire le soujoud. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se relevait du soujoud, elle maddat rijlaha, elle tendait ses pieds. Ceci montre l'étroitesse, yani la maison étroite, même pas la maison, la pièce étroite dans laquelle vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa femme, avec la personne qui aimait le plus ou parmi les gens. Mais le bon comportement, l'khayriya, le fait d'être bon avec sa femme, c'est le fait de bien se comporter avec elle, le fait de montrer de la bonté envers elle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et vos épouses ont un droit sur vous. Donc le premier droit de la femme, c'est de se comporter convenablement avec elle. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Comportez-vous avec elle de manière convenable. Thaniyan, min haqqi az-zawjati 'ala zawjiha an yut'imaha wa yaksuha min al-halal wa yu'addibaha kama amarahu Allah idha ra'a minha nushuza. Qala rajulun ya Rasul Allah, ma haqqu zawjati ahadina 'alayhi? قال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الحديث صحيح رواه أبو داود. Deuxième droit de la femme, c'est que lorsque le mari se nourrit, il doit la nourrir. Lorsqu'il se vêtit, il la vêtit avec le halal. Et lorsqu'elle désobéit à son mari, ou bien elle viole les droits conjugaux, il doit la corriger comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Allah dit « Wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhunna » وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Les étapes, c'est d'abord, lorsque la femme, elle fait ce qu'on appelle un nushuz, c'est-à-dire qu'elle désobéit à son mari ou elle ne respecte pas les droits de son mari. Eh bien, l'homme exhorte sa femme et ensuite, il s'en écarte. Dans la maison, lorsqu'il dort, il lui tourne le dos au moment de dormir. Et il la corrige. Et si la femme lui obéit, à ce moment-là, il ne doit pas chercher à lui causer du tort. Et l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « Ya Rasulullah, quel est le droit de l'une de nos épouses sur l'un d'entre nous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Tu la nourris lorsque tu te nourris. Tu la vêtis lorsque tu t'habilles. Et tu ne frappes pas le visage et tu ne lui dis pas qu'Allah t'en est 10. Et si tu veux la mettre en quarantaine, tu le fais que dans la maison et dans le lit. »
Donc le deuxième droit, c'est le fait de nourrir, de vêtir sa femme avec le halal. ثالثا من حق الزوجة على زوجها أن يعطيها حقها في الفراش لأن الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهذا قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. Le troisième droit cité ici, de la femme envers son mari, c'est que l'homme doit donner le droit à son épouse dans le firash, dans le lit, ce qu'on a, les rapports conjugaux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance. Et c'est pour ça qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, il disait, j'aime m'embellir pour mon épouse comme j'aime qu'elle s'embellisse pour moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait Ala inna lakum, vous avez des droits sur vos épouses comme vos épouses ont un droit sur vous. Et aussi dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte l'histoire, où il nous est rapporté l'histoire de Salman et de Abu Darda. Et une fois, Salman est parti visiter Abu Darda. Il a trouvé son épouse, yani dans un état, elle se délaissait. Alors il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te négliges? Elle a dit, « Akhouka Abu Darda, laysa lahu hajatun, ayifin nisa. » Abu Darda n'a plus aucun désir. Alors lorsque Abu Darda est venu, il a ramené de la nourriture alors que lui-même jeûnait. Il a dit à Salman, mange. Salman lui a dit, je ne mange pas jusqu'à ce que tu manges. Alors Abu Darda a mangé. Le soir, ils sont partis dormir, Abu Darda a voulu se réveiller pour faire Qiyam al-Layl. Salman lui a dit, dors. Et au dernier tiers de la nuit, ou à la fin de la nuit, Salman a réveillé Abu Darda, lui a dit maintenant, réveille-toi et fais la prière. Et il lui a dit cette parole, il lui a dit, Inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li ahlika, wa inna li nafsika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa, fa'a'ti li kulli di haqqin haqqahu. Il lui a dit, ton Seigneur a un droit sur toi, ta personne a un droit sur toi, ta famille, ton épouse a un droit sur toi. Et donne à chacun son droit. Et Abu Darda est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté. Et le prophète lui a dit, Sadaqa Salman. Salman a dit vrai. Fala yajouzu lirrajuli an yanzura ila ghayri zawjatihi. Wala yajouzu lirrajuli an yusafiha al-mar'ata al-ajnabiyya. Wala yajouzu lirrajuli an yakhluwa bil-mar'ati al-ajnabiyya anhu li anna dhalika haram. ولا يجوز للرجل أن يتأخر كثيرا بعد العشاء مع أصحابه لأن الوقت بعد العشاء وقت للأهل والأولاد فما بال الذين يسافرون ويتركون زوجاتهم كثيرا. C'est pourquoi il est interdit à un homme de regarder une autre femme. Et en fait, il est interdit à un homme de regarder une femme étrangère tout simplement. Et il est aussi interdit à un homme de serrer la main à une femme qui lui est étrangère, en dehors de sa mère, sa sœur, ses tantes. Et de même qu'il est interdit à l'homme de rester seul avec une femme étrangère. Et de même qu'il est interdit à l'homme, lorsqu'il est marié, de rester après l'Isha avec, comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh, de rester avec ses amis. Parce que le moment de après l'Isha, c'est le moment de la femme et c'est le moment des enfants. Rabi'an min haqqi zawjati ala zawjiha idha tazayyana 'alayha an idha tazawwaja 'alayha an ya'dila baynahuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man tazawwaja imra'atayn famala ila ihdahuma duna al-ukhra.
يعني يقول الشراح الحديث يعني لم يعدل بينهما في الإنفاق. من تزوج امرأتين فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. الحديث رواه مالك وأبو داود وهو وذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فلا بد للرجل أو للزوج أن يعدل في المبيت وفي الإنفاق. أما حب القلب فهذا شيء لا يملكه ولا يؤخذ عليه. Donc le quatrième droit de la femme sur son mari, c'est que lorsque le mari se marie avec une deuxième femme, il doit être juste et équitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si l'un d'entre vous, celui qui s'est marié avec deux femmes et qui est injuste, qui a un penchant plus pour l'une que l'autre, mais dans le sens il est injuste avec l'une par rapport à l'autre, il viendra à Yawm al-Qiyama et son corps sera penchant. Et bien sûr ici, il doit être juste dans les dépenses qu'il fait, dans la maison dans laquelle la femme vit. Maintenant, pour ce qui est des sentiments, ça c'est une chose où il n'aura aucun compte à rendre. خامسا من حق الزوجة على زوجها أن يحفظ سرها عامة وسر الفراش خاصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الحديث رواه مسلم. وقالت أسماء بنت يزيد: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما والرجال والنساء قعود، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما بينه وبين أهله، ولعل امرأة تخبر ما بينها وبين زوجها، فأرم القوم أي سكتوا. فقالت أسماء: أي والله يا رسول الله، إنهن يفعلن وإنهم يفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في الطريق فغشيها والناس ينظرون. الحديث حسن. De même, le cinquième droit de la femme, c'est que l'homme, le cinquième droit de la femme par rapport à son mari, c'est que le mari doit respecter les secrets de sa femme en particulier et en général, et les secrets des rapports intimes, sexuels en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le pire des hommes, la pire des créatures et le pire des rangs, yawm al-qiyama, c'est l'homme qui dévoile les secrets de sa femme. Sa femme lui raconte des secrets et lui va les dévoiler aux autres. Et dans un autre hadith, Asma bint Yazid dit: on était assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes et les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: y a-t-il un homme parmi vous qui raconte ce qui se passe entre lui et sa femme? Il a dit: y a-t-il une femme qui raconte à d'autres femmes ce qui se passe entre elle et son mari? Et les gens se sont tus. Et Asma bint Yazid, elle dit: oui, ya Rasulallah. Ils le font et elles le font. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne faites pas, car c'est comme si un shaitan rencontrait une shaitana dans la rue, et ils avaient des rapports et les gens les observaient. سادسا من حق الزوجة على زوجها أن يخلصها من عذاب النار استجابة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في زوجته ويقيها عذاب جهنم وذلك بأمور. Sixième et dernier droit de la femme qu'on va citer sur le mari, c'est que l'homme doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver et délivrer la femme de l'enfer. Comme aussi la femme, elle doit tout faire pour délivrer son mari de l'enfer. On va comprendre l'expression délivrer ici.
Et ceci, conformément à la parole d'Allah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ô vous les croyants, préservez vous et vos familles du feu de l'enfer. » Donc l'homme se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans son épouse et de faire tout ce qui est en son possible pour lui éviter de rentrer en enfer. Par exemple, awalan, al-amru al-awwal, an ya'muraha bil hijab al-shar'i wa yuhadhdhiraha min at-tabarruj. Istijabatan li qawlihi ta'ala ya ayyuha an-nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ولقوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولقوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما نساء منهما نساء كاسيات عاريات والحديث صحيح فما بالنا نرى رجالا بلا رجولة الواحد منهم يأمر زوجته بالتبرج وينهى عن الحجاب أين الدين أين العزة والكرامة وأين الرجولة première façon d'empêcher d'inviter sa femme à ne pas se diriger vers l'enfer, c'est de lui ordonner de mettre le hijab shar'i. Pas le hijab que nous on veut mettre, ou que les femmes veulent mettre, le hijab qu'Allah a ordonné aux femmes de mettre. Et le mettre en garde son épouse du tabarruj, le fait de laisser paraître ses atouts, ou bien le fait de se dévêtir à l'extérieur de chez elle. Et ceci conformément à la parole d'Allah, où Allah dit au prophète, dis à tes épouses, à tes femmes et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Aujourd'hui, il y a beaucoup des ennemis de l'islam. Les orientalistes te disent ça n'existe pas dans le Coran un verset qui parle du hijab. Allah dit dans le Coran, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles, pas le voile, le grand voile. Min jalabi bihin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et qu'elles rabattent sur elles leur voile sur leur poitrine. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et ne vous exhibez pas à la manière dont s'exhibent les gens de la jahiliya. Et le prophète sallam aussi dans le hadith, deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas encore vu. Parmi ces deux catégories, ça me dit des femmes vêtues, mais en même temps nues. Donc que doit-on penser aujourd'hui d'un homme qui ordonne sa femme de ne pas mettre le hijab? Ou pire, qui ordonne sa femme à s'embellir et à se parfumer lorsqu'elle sort à l'extérieur? Où est la religion chez cette personne? Où est l'honneur? Où est la fierté? Al-amru thalith, on a bientôt terminé. An ya'muraha bi'ibadati Allahi ammatan wa bis-salati khasatan istijabatan liqawli Allahi ta'ala وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فكم من زوج يصلي وزوجته لا تصلي. Deuxième point, c'est qu'il doit ordonner à sa femme, à son épouse, l'adoration d'Allah, toute forme d'adoration, et en particulier la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ordonne à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit en montrant la gravité du délaissement de la prière, il dit, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans Saqar, qui est un feu de l'enfer? Ils dirent, nous n'étions pas de ceux qui faisons la prière. وَالْأَمْرُ ثَالِثُ وَالْأَخِيرُ أَنْ يُفَقِّهَهَا فِي دِينِهَا. Le troisième point, c'est que l'homme enseigne à sa femme la religion. Et ça suppose que l'homme lui-même enseigne la religion, apprenne la religion. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث رواه البخاري ومسلم. ويكون ذلك بإحضارها إلى دروس العلم وبسماع الأشرطة النافعة وقراءة الكتب الدينية النافعة. كل منا يبني بيتا ولا يقصر في إدخال شهوات الدنيا كلها إليه.
من الذي يعني الشيخ يقصد من الذي منا وضع في بيته مكتبة علمية تنتفع بها زوجته وأولاده في حياته وبعد مماته، ولكن نأتي بالوسائل الفساد التي تفسد الزوجة والأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le troisième point et dernier point, on a terminé, c'est que l'homme doit enseigner à sa femme la religion. Le prophète sallam dit, celui qui veut du bien, celui à qui Allah veut du bien, il lui enseigne la religion. Et donc l'homme doit apprendre à son épouse la religion, ou bien la faire participer dans des cercles d'apprentissage, ou bien lui donner des cassettes de savants, ou des livres de savants. Regardez, l'un d'entre nous n'est pas négligent dans le fait de ramener les belles choses de cette vie dans chez soi. Et il n'y a rien d'interdit dans ça. Et pourtant, on est négligent dans le fait, de, par exemple, de mettre une maktaba, une bibliothèque chez nous, dans laquelle il y a des livres de religion qui sont un intérêt pour nous et nos enfants. Malheureusement, ça, les gens ne le font pas. Et pire, ce qu'ils font, les gens aujourd'hui, ils ramènent des moyens chez eux qui va corrompre sa femme, qui va corrompre ses enfants, qui va le corrompre lui-même et qui va corrompre toute la maison. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.